en recherchant sur internet, tout simplement. Voilà. Et en consultant des blogs, des extraits de blogueurs qui vous recommandaient. Et puis après, obligatoirement, le site produit et TripAdvisor aussi, il y a des commentaires positifs là-dessus. Et ça, c'était la première démarche. Et ensuite, ça a été confirmé par votre site internet. Il y a tout ce qu'on peut chercher. Il est très clair, très illustré, très bien fait. C'est moi qui parle encore. Parce que donc ça s'est fait le plus simplement possible. Ça a démarré par des échanges d'emails, mais tout de suite on est parti sur WhatsApp. Et WhatsApp c'est très très rapide. Et à chaque question, j'avais la réponse. Même aujourd'hui, encore, parce que c'est très fluide et très rapide. Et on a toujours la même personne, ça c'est important. Hein. Parce qu'elle commence à nous connaître, elle sait ce qu'on cherche un petit peu. Et c'est facile. Pour moi, le manque plus fort, c'est un outil du côté de Asiang. Et là où on a vu vraiment de très près les rizières et aussi donc les déjeuners, les pas chers. Voilà, ouais, vraiment, c'était tout authentique. Voilà. Et dans ça, et puis même à chaque étape du chemin, on peut rencontrer des femmes qui travaillent, des enfants qui nous suivent, et avec justement le guide qui permet de traduire, c'est vraiment des moments très très chouettes à vivre. Ouais. Moi, mon moment préféré, c'est quand on rentrait des randonnées. C'était sur le Mont Soufi, qui était une région magnifique. Ah ouais, c'est magnifique. On rentrait et fatigué, mouillé, et de suite on avait l'accueil par le thé, etc. Et sourire, et on se pose, et on sait que même s'ils n'ont pas beaucoup de moyens, le peu qu'ils ont, ils le partagent. Et ça, c'est important. Voilà, le chauffeur était très ponctuel, souriant, agréable, et aussi notre guide Chung. Parfait. Ah, ouais. Ouais. Très à l'écoute, très cultivé aussi. Je reviens à l'intérêt toujours d'avoir le même guide, le chauffeur, ou le long. C'est possible, c'est important. Merci beaucoup pour votre information, pour ce partage. Merci beaucoup.